Voilà tes lies, tout mon relais, abouché, et souché. Uchi wo nanzi yo, riba khore, riba kambo nukwa, kapa. Uchi wo paxi yo, riba gani khejo, makanti nukwa. Domi, honku nanwo, dilenzi yo wo, saya tofa. Papa mi ya iti jikite, kaka, ita anu mevo, uruma iti jikite, kaka, njere zi pili ka holo. Ipap si ha ha, ipap si ho ho, se kama guru matunu ika, umu ka follow. Ipap si ha ha, ipap si ho ho, se waka. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale. Le chef de l'État a effectué deux sorties médiatiques lors de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Il s'agit d'abord de son message à la nation et ensuite de l'entretien qu'il a accordé à la presse. Et dans cet entretien, le premier magistrat de notre pays a évoqué plusieurs sujets, notamment la vérité des prix de l'eau et de l'électricité, la croissance économique au Bénin, l'affaire Sensad et surtout la pierre qu'il a jetée dans le jardin des organisations syndicales, la question de la gouvernance au niveau de ces organisations syndicales. Il y a bien d'autres sujets que nous évoquerons ce soir dans cette émission spéciale que nous consacrons donc au décryptage du discours de l'entretien du chef de l'État. Et pour faire ce décryptage, nous avons sur le plateau deux invités, M. Amos Elegbe, conseiller spécial du chef de l'État aux affaires politiques. Bonsoir, M. Elegbe. Bonsoir, Maxime. Également sur le plateau, M. Guillaume Atigbe, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, ancien membre du conseil d'administration du BIT, le Bureau international du travail. Bonsoir, M. Atigbe. Bonsoir. Bon, la première question s'adresse à vous, M. Elegbe. Alors, on a vu le chef de l'État, à la veille de notre indépendance, s'adresser à la nation béninoise. Ensuite, un entretien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu doublon